Oui, Moussaillon, c'est Nakatine, le pirate. Bienvenue dans ce nouveau Naka News, épisode 117 des Naka News, le format des actus de la semaine sur les différents jeux Riot Games avec pas mal de petits trucs sympathiques, notamment la suite des expansions, enfin de l'extension de Runeterra et des nouvelles cartes qui arrivent avec encore des nouveaux champions et plein de nouveaux trucs, de nouveaux champions intéressants du coup. Plein de nouvelles cartes cool, Udyr, des skins canons, on va parler de plein de choses. C'est parti, on commence comme d'habitude par le petit planning de stream de la semaine qui ne bouge pas. D'habitude cette semaine, du League of Legends plus ou moins tout le temps, peut-être en fin de stream d'autres jeux, vous connaissez. Voilà, il y aura un marathon, pas cette semaine, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être celle d'après encore, où je dois découvrir Dota 2. Il faut que je fasse un marathon où je découvre Dota 2, donc on fera peut-être ça bientôt. Nouveau champion, Nora, c'est une vidéo que j'ai sorti, une petite react à un champion exclusif à Runeterra. J'ai envie de réagir à ça quand même parce que c'est un truc un peu spécial, on va en reparler de façon dans Snack and News de ça. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo réaction si vous ne l'avez pas vue. Et la petite vidéo sur un gameplay de Maokai Jungle, où ils ont fait un mini rework sur Maokai Jungle qui est vraiment cool et qui va peut-être amener le pic en jungle, en tout cas je l'espère. League of Legends, du coup, on va partir du coup dans ces nouveautés. Je rappelle que vous avez un lien en description pour voir ce document fait par Baker et Grenouille. Merci à eux. Vous pouvez voir tout ça en détail s'il y a des news sur lesquelles vous trouvez que je vais trop vite. Vous pouvez y aller vous-même, vous avez le tout en description directement. Donc il y a la note de patch 12.6 que je n'ai pas review en live, du coup, vu qu'il y avait d'autres trucs, notamment Nora. En général, c'est les notes de patch, en plus, c'est pas un très très gros patch, mais je review les notes de patch seulement quand... j'ai rien d'autre à faire dans la semaine, j'ai pas d'autres vidéos, mais voilà. Et du coup il y a eu un nerf de Yumi qu'ils ont rebuff, c'est juste le truc notable un petit peu de la note de patch, c'est qu'ils ont fait un nerf de Yumi. Bah évidemment il y a eu Udyr qui est sorti aussi, mais du coup ils ont nerfé Yumi et genre un jour ou deux jours après ils l'ont rebuff dans un mini patch qu'ils ont fait. Parce que, je sais pas, ils commençaient à avoir chaud. Ils avaient peur des mains Yumi qui devaient pleurer sur les réseaux, j'en sais rien. Du coup, il y a tout le monde qui se plaignait, qui rebuff Yumi juste après le nerf sur les réseaux, mais c'est pas grave. Donc ouais, la note de patch, n'hésitez pas à aller la voir par vous-même. Je vous ferai une autre analyse, peut-être plus poussée sur une prochaine note de patch, mais en tout cas, celle-ci, ouais, elle était pas très grande et j'avais d'autres trucs à faire, donc je n'ai pas pu la faire. Valkyrie d'Acier 2022, c'est l'événement qui arrive du coup après cet événement Star Guardian. Alors bon, une nouvelle skinline, hein, les Valkyries d'Acier, qui sont du coup dans la vibe des Gangplank, Dreadnova, je sais plus le nom en français, Miss Fortune, Gun Goddess, pareil le nom français, je suis désolé, je ne l'ai pas. Mais voilà, ce sont des nouveaux skins un petit peu comme ça, méca futuriste, que je ne suis pas trop fan qu'ils en sortent 50 000 des skins méca futuriste, parce que on dirait, regardez Lucienne, on dirait juste un Project 2.0. C'est un peu bizarre, oui, voilà, donc il y a Cassio. On voit, ils sont contre les méchants, voilà, il y a Kai'Sa aussi, le skin de Kai'Sa, hein, qui était dans cette skinline-là, voilà, Darius également. Donc c'est la même... Bon, après, évidemment... Il faut bien qu'ils ressortent un petit peu des skins de ce genre de vibe là de temps en temps, mais c'est... Ouais, il y a beaucoup de gens qui parlaient de Kayle, comme quoi Kayle ressemblait à Mercy. Non, c'est pas Kayle, c'est Janna, qu'est-ce que je raconte. Pas Kayle, Janna qui ressemble à Mercy avec ses ailes Mercy d'Overwatch, hein, pour ceux qui connaissent un peu Overwatch. On aurait dit une grosse inspiration d'Overwatch. Bref, donc les skins Valkyrie d'Acier qui devraient donc pas tarder à toucher les serveurs live. Je crois que c'est... Ou alors ils les ont déjà touchés jeudi dernier. Oui, c'est ça, ils les ont touchés jeudi dernier. Donc ça va être achetable là maintenant déjà. On a la quatrième partie du Making of d'Arcane, du documentaire Making of. Donc je rappelle, ça fait chaque semaine ils nous sortent une vidéo. Donc là, cette semaine, c'était sur la musique. Du coup, si vous n'avez pas encore vu cette partie, n'hésitez pas à aller la checker. Et normalement, cette semaine, on aura la cinquième et dernière partie du documentaire qui sera sur je ne sais pas quoi, on verra. La semaine prochaine, on en reparlera. Mais voilà, un documentaire en tout cas très intéressant sur la création d'Arcane, encore une fois. Vraiment sympathique. Donc Udyr est sorti. Il est cool. Il a reçu un buff plus ou moins assez rapidement. Genre, je crois que c'était un jour après qu'il soit sorti. Parce que forcément, en fait, il avait un winrate très bas. Du coup, les gens se sont dit peut-être il est nul. Mais en fait, non, il n'est pas vraiment nul. C'est juste que... Il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de jouer Udyr, qui est un champion très spécial, même malgré les reworks, qui a un champion qui n'a pas de range, un champion qui ne se base uniquement sur des auto-attaques, et donc les gens n'ont pas l'habitude de jouer des trucs comme ça, surtout en saison 12, donc il faut qu'ils s'habituent, et c'est pour ça que le winrate a un petit peu droppé forcément, ce
qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu tester le rework sans savoir le jouer. Mais du coup, bon, Riot a quand même fait un petit buff sur le champion. Et voilà, ils ont un petit peu sorti un article pour parler de ce rework et de comment ils ont procédé tout le long. Hein, avec les modèles 3D, on voit des jolies petites fresques. Les sangliers de fer. Donc là, il rappelle un petit peu. J'ai pas lu en entier, mais je crois qu'il parle un petit peu du lore de tout ça. Et ouais, comme je le disais, en fait, le sanglier de fer, hein, c'est pas l'artwork qu'on voit sur Runeterra. Hein, ça, c'est un autre sanglier random. C'est juste qu'ils tirent leur énergie du dieu qui s'appelle le sanglier de fer. Et donc, ce fameux sanglier de fer, on devrait peut-être le voir un jour en tant que champion de LoL. En tout cas, on l'espère. Voilà, donc oui, aussi pour savoir ce qu'ils ont buff, ils ont buff un petit peu la forme ours, donc les griffes. Et ils ont buff un peu la move speed sur la forme horn pour buffer un peu son win rate. Mais voilà, et du coup le pick pour moi je trouve très fun. En full létalité c'est très drôle, je sais pas si c'est très viable, mais en tout cas full létalité one shot, létalité crit avec une prowler et des coups critiques. Prowler BRK into coup critique, c'est très drôle à jouer. Après, il faut se feed et il faut être très très bien dans sa game, mais c'est très drôle. Et sinon après en tank il est très très fort. Voili voilou. Un Udyr pour chaque occasion. Donc là, il parle aussi des skins. Pas du tout. Je n'ai pas lu l'article. J'ai voulu faire un guess. Pas du tout. Il ne parle pas du tout des skins. Il parle des façons de jouer Udyr. En fait, tanker avec le R restera le build tank principal d'Udyr. Surtout lorsque son équipe disposera d'autres dégâts physiques. Voilà, ce sera donc un Udyr Max Phoenix pour essayer de mettre du CC sur les ennemis tout en... tout en faisant des dégâts de zone, tout en étant tanky. L'une des limites était que le A et le R généraient purement des dégâts. Donc le plus... Voilà, c'est ça. Ça, c'était un truc qui revenait souvent et dont j'avais eu l'occasion de parler avec les rioters du rework. C'est qu'en fait, avant, l'ancien Udyr, en fait, t'avais deux sorts de dégâts. Et avant, le A et le R faisaient purement que des dégâts. Et du coup, t'étais obligé de choisir entre l'un des deux. Parce que tu ne pouvais pas max les deux. Et du coup, tu avais une des formes qui te servait à rien en fait selon le build que tu faisais. Et du coup, était un truc en moins. Là, vu que le swap de forme est beaucoup plus régulier, il y a moins de cooldown, il y a 2 secondes, donc tu mets il y a 2 secondes et aussi les formes en elles-mêmes font en sorte que tu dois changer de forme toutes les deux auto-attaques, si tu peux optimiser. Donc tu fais deux autos et après tu changes de forme. Et ben, c'est déjà ça te permet de mieux cycler tes formes et aussi le fait qu'ils aient rajouté de l'utilitaire et des dégâts en PV max. Donc de l'utilitaire sur la forme phoenix du slow et un petit peu dégâts de zone et des dégâts en PV max sur la forme ours, et bien ça permet que les formes soient utiles peu importe le build puisque les dégâts en PV max sont flat. Et pareil pour le double R, le R amélioré, si on part en forme ours on peut quand même faire un double R amélioré en zone dans un teamfight pour faire des bons dégâts. Bref, voili voilou. Ensuite on a des nouveaux skins sur le PBE. Alors on a une nouvelle lignée de skins qui s'appelle Zenith Game, une sorte de football futuriste, si j'ai bien compris. Donc on a Blitzcrank, Jace et Lee Sin qui sont dans cette skin line, et c'est rigolo. C'est un petit peu la nouvelle lignée de skins footballeur, parce que les skins footballeurs étaient bien, mais ils avaient rien de spécial. Là, il y a un petit peu ce délire de... c'est du foot mais pas vraiment, parce qu'il y a des règles spéciales du futur et ils ont des armures de robots et il y a un robot qui se bat sur le champ de bataille, il y a un mec qui tire des grosses boules avec le marteau de Jace. Lee Sin c'est un ancien artiste martial d'arts martiaux qui maintenant il fait du foot du futur. Donc c'est rigolo en vrai, et les skins sont pas dégueux mine de rien. Ça ressemble un petit peu je trouve à la skin line comment s'appelle le skin de Nasus un peu rigolo là. Le Nasus Space Groove. Il y a un petit air de Space Groove hein, qui la joue un peu plus sérieux. Du coup, je trouve ça bien, mais sans plus visuellement. Pas des masses, mon délire. Mais voilà. Et sinon, donc un skin notable, c'est évidemment King Viego. Hein, vous l'aurez sans doute vu. Mais un skin canon dans l'univers. J'ai fait une vidéo sur les skins canons il y a pas longtemps, ils m'en sortent une nouvelle. Évidemment, vous aurez remarqué. Gwen, ici, hein, tout le monde la voit, elle est pas très discrète, mais la petite poupée de Gwen, parce que du coup, c'est Isolde qui a crafté Gwen il y a 1000 ans de cela dans le lore, et donc là c'est la main d'Isolde qu'il est en train de tenir, et donc c'est Viego humain, pas mort-vivant, Viego vivant quoi, tout simplement, bref, mais il est stylé, et c'est sans doute pour la promotion du bouquin sur la ruine,
Il y a eu un petit freeze, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'espère que ça s'est pas affiché sur la vidéo. Mais du coup, ouais, c'est je pense pour la promotion du bouquin qui va pas tarder à sortir. Et c'est cool. Un bouquin sur la ruine, hein, je le rappelle, avec Calista. Et c'est une nouvelle skinline qui apparemment s'appellerait, je sais plus. J'avais vu passer un truc, j'ai pas demandé à Baker de le mettre dans le Naka News. Mais il y a une nouvelle skinline qui s'appellerait. C'est Ages of Runeterra, un truc comme ça. Donc en gros, pour l'instant, il n'y a que Viego dedans. Et que ce skin de Viego. Et normalement, il y aura peut-être d'autres skins sur le passé de Runeterra. Peut-être on aura Calista vivante. Et d'autres trucs comme ça. Peut-être Ikarim s'il modifie ces choses-là. Je sais pas, peut-être Yorick. Thresh, je ne sais pas. Peut-être on aura l'ancien Thresh. Alors Thresh, ça ferait beaucoup de skins canon. Vu qu'on a déjà aussi sa nouvelle forme, etc. Mais pourquoi pas? C'est cool. Et vous allez voir, on va théoriser qu'il y a un petit truc sur TFT aussi. Parce qu'il y a Nila qui aussi vient de Kamavor. Là, on voit un skin du passé de Viego, donc à Kamavor, etc. Donc le continent. Kamavor qui est le royaume de Viego qui se trouve sur un continent qui n'a pas encore été révélé. Enfin, si, maintenant, c'est un peu compliqué. Qui a été révélé, mais pas sur la. Ah, si, Baker l'avait mis Ages of Runeterra. Voilà. Et en fait, du coup. Kamavor, donc on a vu le continent, alors malheureusement j'ai pas pensé à le mettre dans le Naka News, ça c'était il y a plusieurs, je crois que c'était la semaine dernière encore, mais sur le bouquin de la ruine, donc qui va sortir, on a une map plus grande, du coup qui s'étend à l'est, où on voit le continent où se trouve Kamavor, et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai complètement oublié de dire à Baker de le mettre, je vous le mettrai pour le prochain Naka News, sans faute, je vais le dire à Baker. Et ouais, c'est cool. Et je pense que du coup, le petit patch qu'on a de TFT, là, vous allez voir, c'est la prochaine news, est en rapport avec ça. Donc, alors là, il y a une ou deux patchs. Et du coup, il y a une présentation du gameplay des Royaumes Inconnus. C'est le mid-patch de TFT. Je dis pas de bêtises. C'est, donc, il y a 24 nouvelles unités, 5 nouveaux dragons, 4 nouveaux types. Mais voilà, ça s'appelle les Royaumes Inconnus. Et c'est toujours basé sur les dragons. Donc, même si TFT n'est pas du tout canon et n'a rien à voir avec le lore de League of Legends, je trouve que c'est dans le thème. De Kamavor, parce que Kamavor, donc avec le continent à l'est et tout ça, c'est un royaume inconnu, et oui, on sait à Kamavor qu'il y a pas mal de dragons. Donc je trouve que ça connote pas mal, et que ça annonce peut-être des choses pour la suite, des petits événements, des petites choses, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Peut-être c'est dans le futur, et ce sera très loin, on ne sait pas, mais voilà. Voili voilou. Après, il y a des articles sur tous ces... Ici sont les dragons, avec cette nouvelle partie de patch TFT, avec Aurélien, ils ont un petit peu retapé la couronne d'Aurélien d'ailleurs sur ce splash. Je me demande ce qui se passe avec ça, ou alors je dis n'importe quoi et Aurélien a toujours été comme ça, mais j'ai l'impression que la couronne a été un petit peu retapée. Bref, voili voilou, ils ont sorti plein d'articles TFT, dès qu'ils font une mage, il y a tellement pas de news qu'ils te sortent un milliard d'articles d'un coup. Avec tout, vas-y, il faut montrer tous les nouveaux skins, toutes les nouvelles petites légendes. Après, j'avoue que celle-ci, elle est incroyable, cette petite légende. Il est trop beau, ce petit poisson-là. Regardez ça, il est incroyable, il y a une petite perle dans la bouche, là, il la crache, il y a des petites waves d'eau qui passent et tout, c'est trop mignon. Trop mignon, le poisson. Bref. Voilà, donc TFT présentation des types des royaumes inconnus. Vous avez évidemment une cheat sheet avec toutes les classes, si vous voulez voir ça, si vous jouez à TFT un petit peu, pour vous instruire. Pour ça, si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en description, je rappelle, du Naka News. Et enfin, alors là, mais il y a encore Valorant derrière, mais sur Runeterra, on a beaucoup de choses. Donc on a le teaser de Nora. Donc Nora qui est un nouveau champion, je rappelle, de TFT. Baker a oublié de mettre le lien là. Présentation de Nora, nouveau champion. Ah zut. Ah. Il a skip des liens, bon c'est pas grave. Donc il y a le teaser de Nora. Donc ça c'est les cartes du champion. Donc Nora qui est, je rappelle, la maîtresse de Yuumi, et qu'on attendait comme champion de LoL, et pour l'instant apparemment elle est exclusive à Runeterra, donc pas du tout à LoL. Alors attendez, toc, LoL on l'aura peut-être plus tard du coup. Nora, je vais vous trouver la chaîne de Runeterra et vous montrer un petit peu les vidéos, parce que Baker a dû faire un petit oubli dans les liens, c'est pas grave, hop, on va trouver ça sur la chaîne. Alors Nora qui est ici. J'ai déjà fait une vidéo réaction, donc je vais pas remontrer, mais voilà. Et je trouve qu'elle ressemble vachement à une maîtresse d'école, en fait. On dirait vraiment une maîtresse de CP, genre. Avec ses lunettes, petit machin qui se balade de partout, les bouquins, les machins. Il y a vraiment une maîtresse de CP. Donc dites-vous que peut-être un jour, ce petit Yordle mamie
arrivera sur Runeterra. Et pourquoi pas. Et donc, alors, autre champion de fou qu'on a eu sur cette semaine, c'est évidemment Jax. Alors, Jax, c'est trop cool, vous allez voir. Il est incroyable, ça pour le coup, j'ai pas react, mais regardez ça. Parce que Master Yi, je vous avais montré Master Yi la semaine dernière. Master Yi, ils ont profité, vu que le champion était un peu vieux sur LoL, au niveau du modèle 3D, du design qui collait pas trop à Yone, à tout ça. Ils avaient déjà fait une petite refonte de Master Yi au niveau du casque, etc. Jax, on est sur la même vibe. Jax est un très vieux champion sur LoL, avec un design un peu pété. Il faut bien le reconnaître, hein, ça veut plus rien dire, ça sort de côte. Et ils ont réussi à te garder le visuel de Jax en améliorant son armure, en mettant des sortes de trucs de fantaisie, de mettre plein de ceintures accrochées à ses bras, des trucs comme ça. Son lampadaire même, ils ont réussi à le rendre stylé de fou. Et il est incroyable. Avec sa petite voix. Il a une voix un peu moins grave, mais il est stylé. Et donc en fait, Jax sera apparemment donc là dans son lore sur Runeterra. Il se balade un peu partout pour trouver des maîtres d'armes, des gens qui sont très forts dans leur domaine et un peu fort pour improviser aussi avec d'autres armes. Et il cherche des gens donc un peu partout dans Runeterra. Il fait sa team et il veut aller combattre le néant à Ikatia. Et enfin bref, c'est pas du lore forcément 100% canon, vu que c'est Runeterra, à chaque fois c'est à prendre avec des grosses pincettes. Mais par contre, son animation de level up où il est à Ikatia en train de tabasser du néantin, regardez-moi ça comme c'est incroyable. Voilà, il est magnifique, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie, j'adore Jax. Moi j'ai toujours kiffé Jax, et c'est un perso où je me suis dit, s'ils le rework, ils ont un potentiel de faire un truc trop stylé et unique avec le champion. Et franchement, je veux ça sur League of Legends en fait. Je veux ce truc sur League of Legends. Donnez-moi ce perso. Genre, il n'y a même pas besoin de le modifier trop, Jax. À la limite, ils pourraient le buff un petit peu, faire une sorte de mini rework comme ils ont fait pour certains champions, là, pour Harry, ce genre de truc. Histoire de le remettre un petit peu au goût du jour sans trop changer son kit. Mais juste visuellement, changez-le nous. Genre, rendez-le plus stylé. Faites-nous ce truc de. Parce que quand il tourne son lampadaire, vous savez, ça fait un truc, une sorte d'hélicoptère là, mais ça fait un hélicoptère bleu. Ça n'a aucun sens. Là, son lampadaire, il est trop stylé. Il fait des flammes quand il fait l'hélicoptère. Regardez. C'est trop stylé, genre. Mettez-nous des flammes comme ça là. C'est son tourbillon, c'est incroyable. On veut ça. On veut ça sur une terra, enfin sur League of Legends, je veux dire. Voilà. Bref. Donc nouvelle origine, maître d'armes. Ils ont mis improvisation en anglais, je crois. Voilà. Donc ça c'est pour Jax. Ensuite, on a eu des nouveaux teasers d'Arkin. À chaque fois, entre les champions, il y a un teaser de champion, mais avant il y a un teaser d'Arkin. Donc là, le jour d'après Jax, on a eu un teaser d'Arkin avec notamment Taharosh. Donc ils ont encore gardé le truc des 2A, qui est une hallebarde, je crois, c'est ça. C'est une hallebarde, donc c'est une grosse hache, l'arme d'Arkin dans laquelle il est. Et il est très spécial. Alors j'ai pas encore lu ses cartes et tout. Il faudrait que je pense, un stream où on lira toutes les cartes de l'extension, parce que ça donne un petit peu de hype pour les Darkin et ce genre de trucs. Donc on fera un live où on parlera de ça quand l'extension sortira. Et on lira toutes les cartes. Mais via l'artwork, on peut voir que c'est une sorte de Darkin fusionné. Genre il a des bras avec une grosse hallebarde et un gros bouclier. Et derrière, il est fusionné avec une sorte de griffon. On dirait un cavalier démacien qui a fusionné avec sa monture et qui est passé en mode Darkin. Donc c'est trop bizarre. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce fameux Taharosh. Qui va être stylé in-game, je pense, parce que c'est une grosse carte qui coûte 10 de mana et qui est 10-10 et qui fait des trucs de fou. Bref, je sais pas si elle sera très jouable, mais voilà. On a un nouveau terme du coup qui est apparu le lendemain et qui nous dit forger. Et donc forger, vous vous en doutez, il y a Baker qui met un commentaire en dessous, c'est marrant. Et donc c'est Horn qui arrive, hein. c'est vraiment un teaser de Horn. Et on a du coup des cartes qui font écho à Horn, tout simplement. On a les cuistots de combat de Demacia, on a aussi Apprenti Forgeron, Protecteur des Feux de l'âtre. Donc ça c'est directement, c'est Horn, littéralement c'est Horn si c'était un humain lui, avec sa barbe rousse et ses yeux orange brillants là. On a un autre Forgeron hors pair, qui est incroyable. Donc c'est j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi pour Horn sur Runeterra. Donc ça va être là, vu que le Neka News sort un petit peu en décalé, ça nous le fait tout le temps avec les updates de champions. À chaque fois on en rate une d'un jour, mais voilà. Et donc là vous aurez dans le prochain Neka News, vous aurez Horn, ceux qui jouent pas à Runeterra, qui voient ça, qui suivent ça avec les Neka News.
j'ai hâte en tout cas de voir ça. On a encore plein d'autres cartes aussi qui sont sur Mobalytics. Je rappelle, sur Mobalytics, c'est cool. Pardon, j'ai le OK. C'est cool, vous pouvez cliquer sur les cartes et les voir en HD. Sauf que là, le site bug un max. Donc, attendez, est-ce qu'on peut... Voilà. Donc là, vous avez ouvrir la carte et vous pouvez voir l'artwork en HD si vous voulez faire ça. Vous pouvez même copier l'image, les enregistrer si vous voulez les mettre en fond d'écran. Je le rappelle. Donc, n'hésitez pas à Mobalytics. Simplement, ça, c'est... sinon, à part ça, c'est un site de très bonne, enfin, très bon site de stats. Et de build, etc. pour League of Legends, pour Unterra, pour TFT, pour Valorant, donc tous les jeux Riot, et il y a même Lost Ark maintenant apparemment, on apprend des choses. Ils ont une section e-sport aussi. Valorant du coup, en parlant de Valorant, note de patch de Valorant qu'on ne va pas faire en vidéo parce que voilà, je ne joue pas en ce moment à Valolo. On a aussi les nouveautés de l'épisode 5, acte 2 de Valorant, donc avec qui présente les skins, le pass, etc. Toutes les goodies. Il va y avoir dans cette partie-là de la saison. Il y a une cinématique qui s'appelle Sans peur. Sans slash peur. Qu'on va pas regarder en entier parce que voilà, mais c'est. On voit plein d'endroits stylés. Peur slash mort, peur slash maîtrise et tout. C'est pour promouvoir l'e-sport et les Worlds de Valorant. Qui se tiennent du coup. Comme ça. Du 31 août au 18 septembre. Et très bientôt à Istanbul en Turquie. Très, très belle ville Istanbul, j'aimerais bien aller visiter un C4 d'ailleurs. Je sais que j'y ai un jour d'ailleurs, j'ai hâte. Et du coup, bref, on s'en fiche. Mais ils nous ont également sorti pour les Worlds de Valorant. Et ça, ça claque. C'est cool que Valorant aussi y ait droit. C'est une musique des Worlds. Vous savez que sur LoL, on a une musique des Worlds tous les ans qui est un énorme banger à chaque fois. Et sur Valorant, alors je vais pas vous la montrer, enfin je vais vous montrer juste la vidéo, mais pour l'audio évidemment, pour des raisons de démonétisation, de strike, etc. Je ne vais pas vous faire écouter, vous pouvez aller voir par vous-même sur la chaîne officielle de Valorant. Et ils nous ont fait une vidéo de qualité, avec un son de qualité également. Et ça donne très envie, et j'ai envie de me remettre à Valorant en voyant tout ça, parce que je dois essayer de passer diamant, ou l'équivalent de diamant. Je sais pas si j'y arriverai cette année, parce que... Là, je devais passer diamant sur tous les jeux. J'ai fait TFT, Runeterra, LoL. Je l'ai même pas fait cette année parce que je n'arrive pas à lancer. J'ai pas envie de lancer les ranked. Je n'y arrive pas à me hyper à lancer les ranked cette année. Je sais pas ce que j'ai. Peut-être j'ai une overdose. Ça arrive des fois comme ça. Il y a des années où j'ai pas envie de jouer trop à LoL en compétitif. Je fais des game viewers et tout, mais en dehors de ça, je ne joue pas hors stream. Mais voilà. Donc peut-être je prendrai goût et je m'y arriverai. Mais en tout cas, sur Valorant, j'ai envie de retryharder, même si je suis éclaté au sol. Bref. Wild Rift, j'ai bugué, j'ai eu un AVC là. Wild Rift, on termine sur Wild Rift évidemment. Les armes de Noxus, bande annonce de champion. Alors ça, vous allez voir, c'est incroyable. On a une cinématique, qui est bon, une petite cinématique, où il se passe pas grand chose de très abusé, canon, etc. C'est juste Samira et Sion, pour la promo de Samira et Sion, qui défoncent des Maciens, a priori. Alors c'est pas vraiment des Maciens, on dirait les mecs du royaume dans la cinématique de Runeterra, donc le jeu de cartes. Il y a des refs, ils ont mis un cri de Willem qui est le fameux cri qu'on a entendu qui est dans beaucoup de films. Et ouais, c'est des soldats un peu random de royaume entre Demacia et Noxus, si je dis pas de bêtises. On les voit notamment contre Darius dans la cinématique Runeterra, vous savez, là où ils font fondre la couronne du roi. Ils attaquent un petit royaume. Alors là, on voit un truc très stylé. J'avais jamais fait gaffe. Samira ne fait pas ça, en tout cas, sur League of Legends. Alors, pourtant, t'as l'ulti. Quand t'as l'ulti, peut-être qu'elle fait ça. Mais ça... Le sorte de foulard qu'il y a sur sa claymore, là. Elle s'en sert comme ça, genre... Elle fouette son épée. Regardez ça. Schlack. Schlack, comme ça. J'avais jamais vu ça sur... Alors peut-être dans les animes de LoL, c'est ça aussi, hein. Et bref, la cinématique est très très stylée. Et c'est cool, j'avais jamais vu qu'il avait une sorte de foulard à son épée. J'ai jamais trop fait gaffe. Mais bref, la cinématique est cool. Sion qui a mis une patate à Samira sans faire exprès. Et pareil, je sais pas pourquoi sur Wild Rift, hein, ils ont mis une sorte de four orange dans le beat de Sion au lieu de rouge. Et voilà. Donc après, il y a les aperçus de gameplay des champions, évidemment. Changement à venir sur les guildes et le GVG, donc le guild contre guild. Ça, moi j'ai pas les détails vu que je ne joue pas à Wild Rift, mais si vous êtes concerné, n'hésitez pas à aller lire cet article, c'est sans doute important pour vous.
Et il y a des skins aussi Psyops qui vont sortir sur Wild Rift avec. Donc, alors non, il y a Warmonger Sion qui n'a rien à voir. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce skin de Sion. C'est comme le skin de Kassadin. Je sais pas pourquoi ils ont choisi Kassadin Warlord et tout, alors qu'il y a Kassadin Cosmique, il y a Kassadin Halloween, il y a des skins de Kassadin qui sont incroyables. Et ils te mettent. Alors après, peut-être qu'ils veulent sortir ça dans des veines quand il y a plusieurs skins. Je me dis peut-être que c'est pour faire des bundles si un jour ils sortent plusieurs skins cosmiques. Mais bref. En tout cas, ce skin de Sion, c'est pas le meilleur skin à sortir, je trouve, pour la sortie du champion. Mais bref, il y a Psyops Samira, Psyops Mastery, Psyops Kayle et Psyops Zed qui arrivent sur Wild Rift. Voilà, voilà. Et c'est tout pour ce Naka News. Il y a évidemment la section e-sport. Si vous suivez l'e-sport, que ce soit League of Legends, que ce soit Valorant en France et en Europe, n'hésitez pas à checker cette magnifique section e-sport qui se trouve dans la description, hein, toujours dans le Naka News, qui est faite par Grenouille. Merci à Grenouille pour ça, ça fait grave plaisir. On se retrouve du coup bientôt pour des prochaines vidéos et des prochains streams. Je rappelle, vous avez le lien du stream dans la description. N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Merci à tous de suivre encore ces vidéos quotidiennement, même hebdomadairement, même si ça ne se dit pas. Ça me fait très plaisir. Je vous promets que les cheveux rouges, ça devrait plus durer encore très très longtemps. Il va falloir bientôt que je passe chez le coiffeur, donc je vais en profiter pour raser tout ça un max. Et voilà, et puis on va recolorer un jour, hein, par-dessus, je pense, parce que ça commence à être... C'est la première fois, d'ailleurs, allez, petite anecdote avant de se quitter. Ce matin, je suis... Donc là, quand j'enregistre, on est dimanche. Donc dimanche, je suis allé faire les courses le matin, et parce que j'avais besoin de quelques petites choses, et j'avais la tête dans le fion parce que je venais de me lever. Et je suis sorti, d'habitude, depuis que j'ai les cheveux rouges, je sors avec une casquette pour pas trop attirer l'attention sur ma gueule et éviter de me faire poignarder dans la rue. Mais du coup, là, j'ai complètement oublié que j'avais les cheveux rouges et je suis sorti comme as. Et j'ai eu des regards bien sympathiques. C'était cool, mais j'avais le seum. À un moment, j'ai sorti mon téléphone pour regarder ma liste de courses et j'ai vu mon reflet dans le téléphone, j'ai fait « Merde !» Parce que bon, il y a des gens qui sont très gentils sur le stream, il y a des gens qui passent et qui me disent « Oh, ça te va bien et tout, non, vous êtes gentils, mais non, vraiment pas. » En tout cas, bref, voilà, vous faites plaisir, des bisous les gens, passez une très bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour un prochain stream, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, à plus, je flash out.